j'ai enfin reçu mon lit, Lanby. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, je suis super contente. Entrez. Coucou Elsa. Ah, tiens, ton noyau qui tombe bien. Regarde mon nouveau lit. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Moi aussi, il faut que je m'en commande un d'ailleurs. J'ai hâte de voir ton lit aussi. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une review Lansby avec le set chambre à coucher de la collection Smiland. Donc vous pouvez voir la boîte, on a le logo Smiland en haut à droite de Swedish Dollhouse. Vous avez le logo Lansby en bas à droite. Vous pouvez voir que la boîte a un fond bleu avec des couleurs à petit pois. Alors voici l'arrière de la boîte, donc il n'y a rien de spécial. Donc voilà pour la boîte, je vais à présent l'ouvrir. Alors voici donc le set déboxé, il est vraiment magnifique. Donc ce lit est à deux places, je vais vous montrer chaque élément. Alors pour commencer nous avons deux cadres avec des portraits dessus. Donc on a ici à gauche, c'est un homme. Et à droite, une femme. Voilà. On a deux tables de nuit vraiment très belles. Alors le dessus, ici, ça fait un peu cuivré. Voilà, quatre pieds. C'est très mignon. On a ici des petits coussins à strass, dorés. Très jolis. On a deux autres coussins blancs. Sont assez doux. Je vais vous montrer maintenant le lit. Donc on a un matelas qui peut se retirer. On a des petits pois dorés en motif sur la couverture. Et regardez, on peut mettre à l'intérieur les poupées, ce qui est vraiment génial. Alors le matelas est bien entendu rembourré. Je vous montre maintenant le lit qui est très très beau. Ça fait un peu fer forgé, hein, on sait pas. En plastique, mais ça fait vraiment un lit ancien. Et voilà, ici c'est peint en cuivre, c'est très très beau et c'est de très bonne qualité. Je dirais qu'ici c'est assez fragile, il faut faire attention hein, quand vous déboxez hein. Donc voilà pour cette review Smiland de la chambre à coucher. Je suis super content parce qu'en fait ça va être la chambre de Elsa, reine des neiges, Nendoroid, à l'arrière ici. Alors je vais la placer, je vais vous montrer ça maintenant. Alors voici ce que ça donne, c'est super joli, j'aime beaucoup. Je sais pas si je rajouterai des meubles ou des accessoires, je pense, mais là ça fait vraiment pas mal hein. Franchement vous voyez, ça fait vraiment une belle chambre à coucher et Elsa est superbe dans cette chambre. Voilà, alors la prochaine fois je ferai une autre chambre à coucher que je mettrai ici pour Tomoyo, cette figurine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vert si vous avez aimé et moi je vous retrouve prochainement pour une review Lansby. Salut, merci d'avoir regardé.